Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Victor, je suis coach sportif et on est parti ensemble pour la 61e séance de Sweat at Home. Si vous appréciez finir vos séances en sueur, si vous êtes chez vous et que vous ne savez pas quoi faire, vous êtes au bon endroit, je serai votre coach et on est parti pour 45 minutes à 1 heure de sport très intense ensemble. Plus précisément, on va faire du cross-training. Le cross-training, c'est quoi? C'est une méthode de préparation physique générale où on va utiliser tout notre corps pour développer plein de qualités physiques différentes. Être à la fois plus fort mais aussi plus endurant, être plus solide mais aussi plus souple, bref, être une meilleure version de vous-même. Bonsoir Olivier, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent en live, ainsi que les personnes qui rattrapent la séance en replay, que ce soit sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Merci pour vos messages, ça me fait vraiment plaisir de voir des participants et participantes le lendemain matin, le lendemain soir, écrire leur score. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous appréciez aussi ce type de contenu. Bonsoir Rémi, bonsoir Christelle. Les amis, ce soir, pas besoin de matériel, vous avez simplement besoin d'un petit peu d'espace au sol et ça ira très bien. Ce soir, ça va être une séance très intense, donc je vous invite à avoir de l'eau à proximité. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, vous en aurez probablement besoin. Donc, on va chercher, si ce n'est pas déjà fait, une bouteille d'eau, une gourde, on la remplit d'eau et ça sera très bien. Ok. Bonsoir Alexandre et bonsoir Noémie. Les amis, séance 61, on commence. Mobilité, échauffement, puis 23 minutes d'entraînement très intense ce soir. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Comme chaque soir, on va commencer par de la mobilité, c'est-à-dire ouvrir nos articulations, préparer notre corps au mouvement à venir. Et pour ça, ce soir, on va commencer par faire une fente au sol, le genou avant à 90 degrés, le genou arrière au sol, qu'on va venir légèrement pousser vers l'arrière, et le pied en pointe. Très bien. De cette position, on va à la fois appuyer les fessiers vers l'avant et le sol, et pousser le genou avant vers l'extérieur. On est parti 30 secondes. Allez, même si vous êtes statique, c'est une position active. On appuie les fessiers vers l'avant et le sol et on pousse le genou avant vers l'extérieur. C'est bien, on a déjà fait la moitié. Allez, on continue à appuyer. Encore 10 secondes. Et 3, 2, 1. Très bien tout le monde. On change de côté. On va mettre notre fente en place. Le genou avant à 90. Le genou arrière qu'on pousse un petit peu. À l'arrière, pied pointe. On appuie les fessiers dans le sol. Et on pousse le genou avant vers l'extérieur. 30 secondes, c'est parti. Allez, le buste fier, le regard vers l'avant. On continue à appuyer. Super. Encore 10 secondes. Et 3. 2, 1, et on relâche doucement. On va venir se grandir sur notre tapis. Allez chercher les bras vers le ciel, vraiment le plus tendu possible vers le ciel. Et on va les refaire tomber. Enrouler les épaules, enrouler le haut du dos. Et en gardant les jambes le plus tendues possible. On va faire coulisser nos mains le long de nos jambes jusqu'à arriver proche du sol. Et lorsqu'on ne peut plus descendre en gardant les jambes le plus tendues possible, on tient 20 secondes. Au bout de 20 secondes, on remonte tout doucement. Donc je répète,
On descend tout doucement au sol, vertèbre par vertèbre. Lorsque vous êtes au sol, vous comptez 20 secondes dans votre tête et vous remontez tout doucement. Allez, on se met en place, on est parti ensemble. Bras vers le ciel et on relâche. Vertèbre par vertèbre, en commençant par les épaules. On arrondit le dos. Les mains courent le long des jambes. On continue à garder les jambes le plus tendues possible. Et on laisse la gravité faire son travail. Quand vous êtes en bas, on compte 20 secondes. Lorsque ça fait 20 secondes, on fait exactement le même chemin dans l'autre sens jusqu'à être complètement grandi et l'on repart pour un deuxième passage. Bras vers le ciel, on retombe, les épaules s'enroulent et on va vers le sol. Vous allez voir, à ce deuxième passage, vous allez pouvoir gagner quelques centimètres au sol. Mettre les mains au sol, le bout des doigts. Et lorsque vous êtes en bas, on compte 20 secondes. Et on remonte tout doucement, vertèbre par vertèbre. Bravo tout le monde. On en a terminé avec la mobilité et on passe tout de suite à l'échauffement. On va commencer notre échauffement par un exercice très simple. On va faire une fente avant. Donc une belle fente avant, c'est un grand pas en avant. Puis on va venir fléchir les deux genoux. Le genou avant est à peu près à 90 degrés et le genou arrière, comme vous le voyez, il est aussi à peu près à 90 degrés, mais lui, il est au sol. Alors, note pour les personnes qui le font directement sur du béton ou sur du parquet sans avoir de tapis, je vous autorise ce soir à rester hop, 1 cm du sol sans toucher. Par contre, si vous avez de la moquette ou quelle que soit votre surface, tant que vous avez un tapis, on va chercher le contact. Lors de la remontée de notre fente, on va faire exactement le chemin inverse, c'est-à-dire remonter et ramener d'un seul geste le pied avant au niveau du pied arrière. Cette notion est très importante. Le pied avant, celui-ci, revient sur la ligne du pied arrière. Ce que je ne veux pas voir ce soir, c'est ça. Un demi-pas en avant dans la remontée. Ça, c'est pas bon. On se met en place, on fait 10 fentes avant, alternées, droite-gauche. On commence par la droite. C'est parti. Et 1. On change. Et 2. Très bien. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va aller au milieu devant notre tapis, vous voyez, plutôt vers le milieu avant de votre tapis. Et on va faire exactement le mouvement inverse, c'est-à-dire une fente arrière. Le principe est exactement le même, mais on commence par un grand pas en arrière, jusqu'à mettre le genou arrière au sol, 90 degrés, et le genou avant, 90 degrés aussi. La remontée est le même principe que pour tout à l'heure. D'un seul geste,
la jambe arrière arrive au même niveau que la jambe avant. Allez, 10 fentes arrière, on commence par la jambe droite et on alterne. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien tout le monde. On a vu fente avant, on a vu fente arrière. On va se remettre à nouveau au milieu arrière de notre tapis et on va aller mettre notre poitrine au sol et se relever. Rien de plus. Un pas en avant, une main au sol, l'autre main au sol, en arrière, on se laisse tomber. Ce n'est pas une pompe, pas besoin de retenir votre corps, laissez-vous simplement tomber, juste assez en contrôle pour ne pas venir frapper le sol avec votre nez, ça serait douloureux. Et on remonte, une jambe, on décolle les mains, l'autre jambe, on s'agrandit. On va faire ça 5 fois, debout, poitrine au sol et on remonte. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ce mouvement s'appelle le burpee no jump ou burpee sans saut en français. On verra la notion de saut tout à l'heure. Très bien. On va avancer vraiment sur l'extrémité avant de notre tapis. Et avant de faire le mouvement qui vient, je vous invite à regarder derrière vous s'il y a le moindre objet accidentogène, c'est l'occasion de le pousser. C'est très important parce qu'on va faire une roulade en arrière qui va être évidemment contrôlée. Mais comme toute roulade en arrière, on a un petit peu d'appréhension et donc on va venir pousser les choses. Je vous invite à regarder l'écran avant de le faire. On va commencer debout, envoyer les fessiers vers l'arrière, rouler, envoyer les jambes vers l'arrière, remonter avec de l'énergie. En commençant par une position de squat profond et on se grandit. Les premiers essais que vous allez faire, vous aurez probablement du mal à vous réceptionner dans cette position. Ce n'est pas grave si vous vous aidez d'une main au sol, si vous tatillonnez un petit peu au début, on essaye. 5 fois, c'est parti. On est grandi, on roule en arrière et on remonte. Et 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Ce mouvement s'appelle burpee inversé sans le saut. L'échauffement continue. On vient de finir la phase pédagogique. On va monter un petit peu maintenant en fréquence pour faire monter la température. On va commencer par faire 10 fentes avant, immédiatement suivi par 10 fentes arrière. Donc 10 avant, alterné droite-gauche, 10 arrière, alterné droite-gauche. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Allez bien tout le monde. On va continuer par faire 5 burpees et 5 burpees inversés. Alors pour les personnes qui découvrent le mouvement, on va simplement rajouter lors de la remontée, plutôt que de se grandir, on va sauter et clapper, taper nos deux mains au-dessus de la tête. Je jette un coup d'œil au chat. Alors, Olivier est surpris par ces burpees inversés. Bonsoir Hervé, bonsoir Cosmine. Ok, on va partir sur 5 burpees. Allez, poitrine au sol, on se relève, on saute en clap. Et 1, 2, 3, 4, 5. On va au bout de notre tapis vers l'avant. On se prépare à faire des burpees inversés, roulade arrière, mais on commence là par le saut et le clap. Puisque les burpees sont inversés, on fait tout en inversé. Allez, on commence par le saut et clap, et on roule en arrière, on remonte. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bien joué tout le monde. On n'en a pas tout à fait fini avec notre échauffement. Maintenant, je vais vous demander un petit effort d'intensité, puisqu'on va venir faire 10 fentes avant, 10 fentes arrière, 5 burpees avec le saut et le clap, 5 burpees inversés avec le saut et le clap. Et avant de commencer, ce que je vais vous demander, c'est de mettre de l'intensité dès maintenant, c'est-à-dire d'aller vite sur les fentes, vite sur les fentes arrière, vite sur les burpees et vite sur les burpees inversés pour faire monter votre cardio. 10 fentes avant, 10 fentes arrière, 5 burpees, 5 burpees inversés. C'est parti dans 3, 2, 1, allez. On met de l'intensité, mais on reste propre et exigeant dans la qualité de nos mouvements. Allez, on va jusqu'au bout les amis. On continue. Quand vous avez terminé, vous pouvez boire un coup et on se retrouve devant le tableau pour le briefing. Bonsoir Alexandre. Bonsoir à tous. Alors ce soir, pour cette 61e séance, je vous ai préparé un format de travail qui sera très intense, puisqu'on va faire un EMOM, et il y en aura deux qui se suivent. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je vous explique tout de suite. Ce soir, on est parti pour un entraînement qui durera 23 minutes. Il est découpé en trois parties. Intéressons-nous à la première partie. EMOM, 14 minutes. EMOM signifie Every Minute on the Minute, ou chaque minute et on recommence. Chaque minute, vous allez faire 7 burpees
et 14 fentes arrière alternées. Lorsque vous avez fait ces 7 minutes, pardon, lorsque vous avez fait ces 7 burpees et ces 14 fentes arrière, s'il reste du temps, bravo, vous avez du repos. Lorsque la minute est écoulée, on recommence 7 burpees, 14 fentes arrière alternées. Le principe d'un EMOM, c'est de, entre guillemets, réussir chaque minute et de se garder un petit peu de repos pour souffler et repartir dès la première seconde de la minute suivante. Lorsqu'on a fait 14 fois une minute, on a bien mérité 2 minutes de repos. Ça sera l'occasion de débriefer rapidement dans le chat, de souffler, de boire un coup. Et on repart sur 7 minutes et MOM, à nouveau, même format, mais on inverse les mouvements. Puisqu'on va faire 7 burpees inversés, puis 14 fentes avant alternées. Votre objectif ce soir, c'est de, entre guillemets, réussir chaque minute. Les 14 minutes ici, les 7 minutes ici. De réussir à rentrer le volume de 7 et 14 pendant 21 fois. Qu'est-ce qui se passe si éventuellement, vous ne rentrez pas le volume dans une minute? La minute suivante, écoutez bien, la minute suivante d'un échec, vous soustrayez 2 répétitions à chaque mouvement. C'est-à-dire 5 burpees et 12 fentes. Normalement, ça vous permettra de rentrer à nouveau dans le timing. Si vous ne rentrez à nouveau pas dans le timing, on soustrait à nouveau 2 répétitions. Donc 3 burpees et 10 fentes. Et là, je pense que tout le monde peut le faire. Donc, lorsque je parle d'échec, ce n'est pas un échec de votre personne. Toutes les personnes qui participent à cette séance, déjà, prennent du temps pour s'occuper d'eux et pour bouger, pour faire de l'activité physique. Et en soi, c'est déjà une réussite. Donc, ne prenez pas à cœur, c'est des mots chargés, c'est-à-dire c'est des mots émotionnellement chargés, réussite et échec. Là, je parle simplement d'un format de travail, c'est tout. Donc, si on réussit, votre score sera de 21, puisque vous aurez réussi 21 fois. Et votre score, si vous n'avez pas réussi, ça sera uniquement les minutes qui auront été faites. Donc, vous pouvez très bien avoir un score de 0 et 0, et ce n'est pas grave, puisque vous restez en mouvement même si vous ne faites pas 7 et 14. Mais on prend le score pour prendre une mesure de nous-mêmes à un point donné. Ce n'est pas pour se comparer avec les copains et les copines, c'est pour se comparer nous-mêmes par rapport à la version future que l'on sera. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre les scores. Voilà. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Je pense avoir été assez clair. J'aimerais vous dire une dernière chose avant de partir au niveau du temps et de la gestion de l'effort. La première partie, la partie de 14 minutes, un bon objectif, c'est de sortir en 40 à 45 secondes de ces mouvements. Ça vous laisse entre 20 secondes et 15 secondes de repos. Évidemment, si vous êtes rattrapé par le chronomètre, vous recommencez à la minute suivante en enlevant 2 répétitions à chaque mouvement. Le deuxième EMOM. Attention! Celui-ci est beaucoup plus serré. Avec la fatigue qu'on aura accumulée ici, un bon objectif, c'est de sortir entre 50 et 55 secondes. Ça vous laisse donc 10 secondes à 5 secondes de repos entre chaque passage. Et vous comprenez donc pourquoi il n'y en a que 7 minutes ici, alors qu'il y en a 14 ici. Parce que chaque minute ici est beaucoup plus dure que ici. Voilà. Je vois que dans le chat, il n'y a pas de questions. Je vois quelques personnes surprises par le format et par l'intensité. Ça va être intense ce soir. Je vous l'ai dit d'entrée, je vous le redis maintenant. Donc, il faut se rentrer dedans. Il faut faire l'effort. On va suer, on est là pour ça. D'accord? Buvez un coup, on est parti dans 30 secondes.
Alors, on va partir sur notre premier passage. Emom, 14 minutes. 7 burpees. 14 fentes arrière alternées. Chaque minute, on refait ce volume. On est parti dans 15 secondes. Bon entraînement à tous. 10 secondes. Et 3, 2, 1 et 7 burpees. Puis 14 fentes arrière alternées. Lorsque vous avez terminé cette première minute, s'il vous reste du temps, soufflez. Et on est reparti dans 5 secondes. 3, 2, 1, 7 burpees. Allez, 10 secondes. Et 3, 2, 1, 7 burpees. Allez, quand on a terminé, on souffle. On est reparti dans 5 secondes pour notre quatrième minute. Et c'est reparti. Allez, on souffle. On est reparti dans 5 secondes. 3, 2, 1. Allez.
Allez, on est en train de finir notre cinquième minute. Allez les amis, on tient. 3, 2, 1, c'est reparti. Allez, 5 secondes et on repart. 3, 2, 1, allez. Allez, on est en train de finir la septième minute. C'est la moitié. On va passer le cap de la moitié dans 5 secondes. Et 3, 2, 1, c'est reparti. Allez les amis. Cinq secondes et on repart. 3, 2, 1, allez. Allez, on finit notre 9e minute. On repart dans 5 secondes. 3, 2, 1, allez.
Allez les amis, on tient. On finit notre 10e minute. Il nous en reste 4. On reste solide. Et 3, 2, 1, c'est reparti. Allez, on finit notre 11e minute. On souffle. On est reparti dans 3, 2, 1. Allez! Allez, on finit notre 12e minute. Il ne nous en reste plus que 2. Allez les amis, jusqu'au bout, on tient. C'est reparti. Allez, on finit la 13e minute, on est reparti dans 5 secondes, dernière minute, et c'est parti. Et repos. Ouh, bravo à tous. On en a fini avec la première moitié. On a 2 minutes de pause. Je vous laisse souffler, boire un coup. Je vais faire de même, vous inquiétez pas. Moi aussi, j'ai bien sué. Je vous invite à noter votre score. Donc votre score est constitué du nombre de tours que vous avez réussi. C'est-à-dire le nombre de tours où vous avez fait 7 burpees et 14 fentes arrière. Puisque j'ai réussi tous les tours, mon score est de 14. Et on le note dans le chat.
Alors on boit un coup, les amis. C'est important de s'hydrater. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Christelle, 13. Ah, bien joué, Christelle. Olivier, 14. Bravo, Olivier. Olivier précise qu'il lui restait environ 15 secondes par minute de repos. C'est bien. Cosmine, 14. Alexandre, 7. Voilà, des écarts de score. Bien joué. On va repartir sur un émom de 7 minutes. 7 burpees inversés, 14 fentes avant alternées. Attention, c'est plus intense, c'est plus difficile. On est reparti dans 20 secondes. Attention à vous dans la roulade. Et je compte sur vous pour l'intensité. On est reparti dans 10 secondes. 7 burpees inversés, 14 fentes avant, 7 minutes. Et 3, 2, 1, c'est parti! Allez, 5 secondes et on repart. Et 3, 2, 1, allez! Allez, on finit notre deuxième minute et on repart dans 3 secondes. 2, 1, c'est reparti! Allez les amis, 3, 2, 1, on est reparti!
Allez, on a déjà fait 4 minutes. Il ne nous en reste plus que 3. Allez, on va jusqu'au bout. 3, 2, 1. Allez. Allez, on finit la 5e minute. Ça veut dire qu'il nous en reste plus que 2. Et 3, 2, 1, allez! Allez, 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 on tient. Allez, 5 secondes avant la dernière minute. On va jusqu'au bout. Et c'est reparti! Allez, jusqu'au bout! Motivé! Allez, 30 secondes et on a terminé. Jusqu'au bout. Et 5, 4, 3, 2, 1 et time. Bravo tout le monde. Bien joué, vous pouvez être fiers de vous. Respirez, profitez de l'air qui rentre. Voilà. Comme vous pouvez le voir, là, le contrat sué à la maison, il est amplement rempli. Mon t-shirt est rempli de sueur. Et je pense que votre t-shirt, votre débardeur l'est aussi. Bravo à toutes et bravo à tous. Tant que vous êtes conscient, notez votre score. Je vous rappelle que votre score, c'est le nombre de répétitions, le nombre de minutes que vous avez réussi à rentrer complètement, c'est-à-dire 7 burpees inversés et 14 fentes avant alternées. Vu que j'ai rentré toutes les minutes, mon score est de 14 et 7. 14 précédemment et 7 maintenant. Bravo à tous, buvez un coup, notez le score. Alors, je fais comme vous, je note mon score. Victor, 14 plus 7. Et je découvre vos scores. Alors, Rémi a fait 7 tours, c'est bien Rémi, au premier. Chloé a fait tous les tours au précédent, donc 14. Christelle fait 3 tours sur 7 minutes, bravo Christelle, c'était plus difficile. Marine fait 10, j'imagine que c'est soit le premier, soit le total du premier et du deuxième.
Alexandre rentre une minute au deuxième et donc il réduit le volume, ce qui lui fait un tour de 8, un score de 8 au total. Bravo Alexandre. Ah, et Alexandre est en sueur. Bravo Alexandre. Christelle fait 13 plus 3. Bravo Christelle. Olivier 14 et 7. Bravo Olivier qui réussit toutes ses minutes. Rémi 7 plus 2. Bravo Rémi, belle détermination. Cosmine 14 plus 7. Bravo Cosmine. Olivier n'a plus de jambes. Eh oui, là, on a bien travaillé les jambes. Chloé, 14 plus 7. Mais il faut voir dans quel état. Bien joué, Chloé. Et Noémie, pareil, 14 plus 7. Bravo, Noémie. C'est bien, les amis. Vous pouvez être fiers de vous. C'était une séance particulièrement intense. Hydratez-vous bien de l'eau. Si vous avez apprécié la séance, un petit pouce bleu, un j'aime sur la publication, Facebook, Instagram et YouTube, ça coûte rien et ça me fait vraiment plaisir et ça permet à l'algorithme de savoir que ce type de contenu vous intéresse et donc vous serez prévenu des prochains contenus. On se retrouve demain soir à 18h45 pour notre dernière séance de la semaine et je vous rappelle que demain soir c'est avec du matériel. Donc vous aurez besoin soit d'une bouteille d'eau bien hermétique, soit d'un bidon de lessive ou d'eau déminéralisée, soit encore mieux, d'un pack d'alter ou d'une kettlebell. Si vous ne savez pas quel matériel acheter, je vous invite à lire l'article sur le blog Ofit que vous trouverez sur ofit.com/blog. Je vous ai fait 3 packs de matériel du plus petit et abordable au plus grand et versatile. Donc vous avez tous les budgets et toutes les tailles dans cet article qui n'est pas un article sponsorisé. Ce sont mes conseils que je vous donne avec plaisir et donc je vous invite à aller voir. Merci Alexandre, merci Christelle, merci Olivier, Noémie, Chloé, Cosmine, Rémi, merci Hervé, merci à tous. C'était un plaisir de faire cette séance en live. Bravo à toutes les personnes qui le font en replay. On se retrouve demain à 18h45. D'ici là, bonne douche, belle soirée, ciao.